Salut les gens, on poursuit notre aventure chinoise dans Age of Empires 3 Definitive Edition avec cette grande flotte au 15e siècle, avec un récit, on va dire, partiellement réaliste, partiellement romancé. Cette deuxième mission, là, je viens de m'en rendre compte quand j'ai vu le titre ici, en accueil royal. En fait, la deuxième mission, elle est en Inde, ce qui fait qu'on n'a que 3 missions qui vont se dérouler en Amérique, j'avais complètement oublié ça. En accueil royal, c'est parti. La flotte a mouillé dans la cité portuaire de Calicut. Kozhikode, la haine que vous l'équipage à l'amiral est prête à exploser. Je serai moi-même à bout de patience si Shen, un vieux loup de mer qui est devenu mon ami, n'était pas là. Donc là, on est côté occidental de l'Inde. J'en ai plus qu'assez de tous ces ports bondés et de toute cette plèbe. Je suis fait pour la conquête. Je suis fait pour la gloire. Certains travaillent toute leur vie pour voir ça, amiral. Oui, le commun des mortels est très impressionnable. Et c'est ce qui sépare les gens de rien comme vous, des nobles comme moi. Bien, faites place. Étant noble, je dois être accueilli par un noble. Surveillez-le de près, capitaine. Jin Hai a une langue acérée, mais il est incapable de trahir. Parce qu'il est trop stupide? Parce qu'il est trop lâche. Bienvenue à bord du Zamorin, amiral. Nous sommes prêts à vous accueillir. C'est parfait. Nous n'avons plus de nouvelles de l'amiral depuis longtemps. Je commence à m'inquiéter. Souciez-vous plutôt de ces guerriers en approche, capitaine. Ils n'ont pas l'air très accueillants. Cours, Chen. Nous avons été trahis. Nous devons prendre la fuite en bateau. Ok, on débarque aussi. Le Zamorin va regretter sa trahison. Préparez nos navires pour prendre d'assaut la plage nord. L'heure de la vengeance a sonné. Dépêchons-nous. Je commence à avoir le mal de terre. Hop, il avait trois, j'ai pas eu le troisième. Ah oui, ça c'est un navire au trésor. Oui, c'est si. Ok, la nourriture au début, pourquoi pas. Après, on sera amené à changer ça. Ouh, j'ai oublié de changer, c'est vrai. J'ai oublié de changer histoire d'interface. Bon, j'ai une mission si j'oublie pas. On voit, donc on va laisser ça se faire. On est à 300 de nourriture. Là, ce qui m'embête, c'est que si je lance une grenade, on va perdre toutes les armes et les orbes sont pression aussi. Attendez, on va voir. Non, ça. Il n'y a qu'un arbre qui est tombé, ou deux. Allez, faites votre office. Tac, on en envoie un. Et rapport. Tien-chou-gong. Ici, c'est. Des pièces, ok. Ah oui, donc du coup, c'est que j'avais changé ça. Le bois. Les baies, bah je sais pas en fait. On va mettre le bois deux fois. Ah si, il y a des baies. Donc on va, si, on va faire ça. Nous devons immédiatement lancer une opération de sauvetage pour libérer l'amiral. Je sais plus s'il y a un bâtiment militaire à Biarritz ici ou pas. Ouais, c'est le cas. Okay. Avec une tour en plus. Donc on n'est pas capable de le détruire. Les hommes qui sont devant, mais c'est tout. Le bois.
transformer son train plus rapidement. Château, ouais, château. Des pièces, allons-y. Là, quand ce sera terminé, on va faire un marché. Est-ce qu'on va développer une flotte Chemin? Je sais pas trop. Tac. Alors une flotte militaire, oui, mais une flotte pour avoir des ressources, je suis pas sûr. Elle ensuite va faire une caserne. Et puis un consulat. Shama. Et pour le passage à l'âge 3, on peut déjà anticiper sur ce qu'on fera, soit les ressources, transcendance. Ouais, honnêtement. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas faire la pagode blanche parce qu'on n'a pas de moine. Alors ici, web. Nous ne sommes pas seuls sur cette île, capitaine. Ce qui est une bonne chose. Je commençais. Ils sont forts. À m'ennuyer. Ah oui, les Zurumaki, je sais pas quoi là. C'est vrai, ils sont super forts ceux-là. Ils vont même peut-être me mettre par terre, Urumi. Ah ça c'est fort pour la caverne, non, on va prendre le sol. Et ici, bof, qu'importe en fait. On va se soigner un petit peu, puis après on va contre-attaquer quand on aura une armée. Donc contre les bâtiments, on avait dit... Et il m'attaque. Ah ouais. Puis on fera un navire de guerre qui fera le boulot. Mais attention quand même, le temps passe. Peut-être de l'or. Ou alors on modifie ça, on va voir. On va continuer au bois, là on va modifier ça bientôt. Ah ça va vite ouais. On va faire jonque de guerre basique. Et là avec la troupe qu'on a, je pense qu'on peut se permettre d'y aller. Cela qui sont dehors. Il attaque le zone là. Elle, quand elle a terminé, elle va faire un autre village, je pense. Ah, il disparaît. Juste. Hein.
perdu beaucoup, beaucoup de monde. Et encore, il y a la tour à détruire, non? Voilà, parfait. On est tranquille sur l'île. On pourra explorer un petit peu avec la jonque. Tranquillement. Cette fois-ci, on va pas faire de moniteur. Pas vraiment utile. Pas grand chose à faire à part ça. C'est plein de ports, ouais. Par contre, on va faire des full chuan. C'est Allez, la tour. Plus toute une flotte. Ok. D'accord. Ça me coûtait des sous tout ça. Priorité passage de l'âge. Et on va anticiper sur la population. On va faire un ou deux villages de plus. Voilà. Et un troisième. Ah, faut choisir. Tac. Les ressources, parce que j'ai l'air de galérer là au niveau des ressources. Ou alors ça, temple du ciel, ou on le fera après. Ouais, les tours de soleil. On va choisir ça. Bâtissons une merveille en l'honneur de l'empereur. Cela améliorera le moral et la force de notre armée. Hop, ça fait partie des objectifs. En même temps, c'est. Je me voyais mal attaquer l'adversaire sans passer à l'âge 3. C'est un peu le minimum. Là, par contre, mon gars, ça m'arrange pas ce que tu fais. On sera mieux à faire ça aussi. Oh, mais il faut continuer à faire des villageois. Oh, il y a pas un truc, une carte à propos des améliorations en termes de vitesse peut-être. J'ai mis ça. Ça. Toutes les armées s'entraînent plus vite, ouais, ça j'en ai déjà eu validé une comme ça, mais c'est ça. Parchemin. Ouais, les chargements. Et les recherches. Ça va être excellent. Sure,
Amanda. Je mets trop à la nourriture. Hop, on repart là. Il n'y a pas de bâtiment supplémentaire à faire en fait, on a déjà tout. Ce qui va changer, c'est la capacité à produire une plaque puissante, une amélioration économique. Hop, ça aussi ici. Le truc, ce sera quand on ira sur le continent, c'est d'aller avec des villageois qui vont pouvoir construire une base avancée militaire pour faire le boulot. Sur cette partie, par contre, je vais pas m'attarder autant que sur la partie précédente. Enfin, là, déjà, je m'attarde, mais pas de la même façon. Les recherches, on commence par ça. Hop, là. On peut déjà passer à l'âge suivant. Tac. C'est bien. Okay. On continue. Non, on va attendre d'avoir la carte bonus, ça va être marrant. Un petit dernier village. Ah oui, c'est instantané. Boum. On est déjà à 220. Bon bah, c'était un peu inutile. Ok. Ça aussi. Voilà, ça c'est top. Ouais. Recherche instantanée. Tiens, il y a 350. Chama. On ira d'abord explorer les côtes. Alors ouais, j'aurais pu être tenté par les moniteurs, mais franchement, si c'est pour avoir juste un canon deux fois plus fort. Ça sert à rien. Hop, ça c'est bon. On va faire directement des Fuchuan. Ça coûte une fortune en termes d'or. C'est quoi, Hugo? Ok, bah c'est bien les résidus. J'avais même oublié ça. Ouais, mais non. Hop, on va faire ça. Je vais potentiellement encore aller à l'âge 5. C'est ça. Et un deuxième port. Tiens, Jougo. On a quand même besoin de produire pas mal de choses. Ici, alors qu'est-ce qu'on fait? Nourriture ou or? Je pense que c'est l'or. Tac. Ah oui, c'est vrai que ça ressemble à ça, j'avais oublié. On peut en avoir combien? Deux seulement. Oh, c'est nul. J'ai besoin de soigner, mais c'est fait. Hop, la deuxième. Et ça coûte que 75, c'est pas mal ça. Je vais monter à la 5 juste pour ça. C'est vrai qu'en escarmouche, souvent ça monte à des dizaines de milliers. Et là,
Apparemment, il n'y a qu'un village voisin. C'est très étrange. Donc, il faut 4000 et 4000. On n'est pas sorti, mais... petit à petit, on va y arriver. La nourriture, il n'y a pas de souci. Et on va les transférer ensuite dans des... rizières. On va mettre deux dédiés à ça. Lui continue ici. Quoi? C'est vrai que là ça doit faire presque 20 minutes que je joue, j'imagine, mais on va juste commencer à explorer un peu avec ça, peut-être détruire les ports qui ont l'air vulnérables, s'occuper un peu. Allez, on va laisser les choses. Votre flotte a épuisé tout l'or de l'île. Je vous conseille de bâtir une rizière pour renflouer nos caisses. Oh. Ça va, ça me vient. Et voilà, 13e niveau. Ah bah ça fait le boulot, parfait. Je vais pas améliorer parce que je sais que j'ai une carte qui me permet de l'améliorer automatiquement. Ils sont répartis, c'est bien. Ici. 3. Ah ça va être trop fort. C'était celle-ci, mais je vais pas la faire tout de suite. L'unité s'entraîne plus vite. Ouais, c'est les unités, ça inclut pas les villageois, j'ai l'impression. On va en faire une autre, une dernière. Deux dédiés alors, deux dédiés alors. Ça c'est bien. Parfait. Passage de l'âge prochainement. Oh mon gars, oui c'est vrai. J'en prends les... On va péter les ports ici, et après les forteresses on les laisse tranquilles parce qu'ils sont redoutables contre les unités navales. On passe sur la nourriture complètement, allez hop, à fond sur la nourriture. C'est possible que le chariot de fort que je vais commander, je ne l'installe que sur de l'autre côté. Moi je vais traverser. On va se poser là et puis après on foncera sur l'adversaire. Même si je crois que sa base est ici. Ah mais y'a personne là-bas, ok. Je sais pas si le soin marche pour les navires. On va regarder ça. Là, tac. Ah ouais, bah nickel. Parfait. C'est bon à savoir aussi. Oh salut les gars, vous êtes nombreux. H5. Là par contre que faire? Pas le premier. Armée ou corneille? Les corneilles c'est plus rare. Parfait. Il
Bah, il y avait ça qui était pas mal aussi. Ah, les murs, quoi. Les murs de compétition. Amélioration des forteresses également. On va faire ça. Comme ça, on va pouvoir traverser directement. Avant le passage de l'âge, même. C'est de l'autre côté qu'on va pouvoir s'épanouir, si possible. On n'est pas nombreux, mais aussitôt qu'on aura une forteresse, on pourra faire des trucs. Hein. Et un villageois aussi, c'est pas mal. Là, c'est pas un bâtiment. Ouais, améliorons ça. Pas cher, on le fait. Il nous faut un fort pour défendre cette place. D'accord. Tâchons de le bâtir avant d'être repéré. Ah oui, vas-y, je vais faire. Ok, ils sont là. Et on va produire des unités à l'appel. Ah, du coup, tu peux l'améliorer encore plus, le château de montagne. C'est parti, c'est fait. On est content, on fait ça là. Et on va produire des lance-flammes honorées. Il y en a des troupes, hein. Okay. Parce qu'on va passer l'âge. Et du coup, ce qui est, ouais, ce qui est dommage, c'est que les corneilles, il faudra les faire traverser. On en aura beaucoup, quoi. Et du coup, maintenant, sauver l'amiral. Alors, c'est nickel. On va pouvoir. Ah oui, il s'améliore, mais ça vaut 1000, ouais. Ouais, vous pouvez raser les bâtiments en attendant, amusez-vous. D'autres villageois. Ouais. Et là, on va améliorer des troupes. Je sais pas à quel point ils sont forts, parce que je sais qu'il y avait une grosse armée là, mais. Là, à parler de forteresse, je sais qu'on n'a pas de. Des chinois et tout ça, mais ça, c'est complètement neuve. Ouais, c'est naze. On va essayer, on va tenter notre chance. Allez, 600 points de vite. Ça par contre, 4500. Oh bah 6 points. Allez. Hop, oh, bon soir. C'est un MG. Allez, on rentre dans l'art. Il faut utiliser le pouvoir. Hop, tout ça. Tout là. Ah, il y a des gens ici aussi. Ah, bah, c'est bon. Ouais, j'ai oublié ça. On va l'améliorer. Parfait. Ça. Et on va voir. Est-ce que ce sera suffisant? Je sais pas. Pourtant, il est juste là, mais si c'est que ça, ça va. Ah
Alors, amiral de pacotille, foutu traître. Ah oui, on va se manger. Quelle surprise, Mang. Je n'aurais jamais cru que vous seriez capable d'organiser un sauvetage réussi. Bien. Il est temps d'en finir et de reprendre la mer. Je vous confie le sort du Zamorin. Oh, tout ça, ouais, carrément. C'est la première, vraiment. Si peu. Et voilà. On est tous honorés. Et la nourriture, ça cartonne. Donc vraiment, là c'est l'or et le bois. Parce que c'est ça qui coûte cher en amélioration. Du coup, ça, on passe ici. Et là, on va foncer là-dessus. On va être prudent parce que il doit y avoir des sacrées troupes qui protègent tout ça. Ah bah tiens, déjà, étrange. Certaines victimes sont chinoises. Il semble que certains d'entre nous aient décidé de se joindre aux attaques. Ok. Ouais, c'est intéressant. On va prendre l'aliment directement là. Et là, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout des améliorations? J'ai envie de faire ça. Voilà. Oh mon gars! Et oui, est-ce qu'il y a une forteresse ici? Allons la péter. Ah, on commence à être des unités un peu sérieuses maintenant. Ça rigole moins en face. Ah ouais, la violence. Ça c'est fort là. Parfait, bah du coup on peut bousiller tout ça, même s'il y a des troupes ici hein. Avec du soin, parce qu'on était assez abîmé. Mais non, pas là-dessus. Un peu de tout. Oh là, il est tout à fait. Là, il faut utiliser le pouvoir. Ah ouais, ça va être compliqué. On va augmenter les lance-flammes. Peut-être amener à les améliorer d'ailleurs, et en faire d'autres. Ah mais c'est des villages quoi là, ok. Pas mougon. Ah bon, allez-y là-dessus. Oh là là, plus de vie à quoi. C'est dingue. Et on a des lance-flammes exaltés, et là c'est excellent ça. Hop. Ça, on va commencer à faire une vitesse. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs qui émergent tous ces bâtiments détruits. Pas mougon. Ah
bien joué. Ah mais c'est... Ah mais oui, c'est de la nourriture ici, bah du bois. Du bois, ça c'est la nourriture. Du coup, s'il y a d'autres améliorations à faire... C'est pas ici, c'est pas ici, non. Ça c'est pas bon, quand même. Carrément. Finalement, on aura tout fait sur la carte. Et enfin, on pourra aller en Amérique. Le Zamora va regretter d'avoir touché à ce qui ne lui appartient pas. Reprenons la mer, avant que la chance me tourne. Et voilà, même pas de cinématique. Nouvelle carte, je vais même pas les prendre parce que j'avais vraiment tout ce qu'il me fallait. J'espère que l'épisode vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Je sais qu'au début c'était vraiment laborieux au niveau économique, mais voilà, une fois qu'on avait posé le pied à terre, on a roulé sur nos adversaires. Allez, prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine pour le troisième épisode en Amérique. Salut à tous.